Hola tout le monde. Hier, on a bon, là, c'est qu'une petite partie de ce qu'on a fait en voiture, enfin en van. On a traversé le pic de l'Europe. Alors là, vous allez voir, c'est le spot qu'on a trouvé hier soir. Voilà, on est en train de faire sécher nos draps, on est en train de faire un gros coup de ménage pour notre troisième nuit. Pardon, parce qu'il a fait très froid cette nuit. Du coup, j'ai la voix un peu enrouée. Et regardez-moi. Alors, il n'y a que nous, hein. On est bien d'accord, hein. Vous allez voir. Il n'y a que nous. Tac, tac. On a des barbecues, des tables, des barbecues. Je vais vous montrer un autre truc après de ouf. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Mais regardez cette beauté. On a trop mal au cœur. Elle est restée avec nous toute la nuit. Bella. Je l'ai appelée Bella. Regardez comme elle est mignonne. Alors, ma fifi, tu vas passer sur YouTube? Eh oui. Donc, on lui a donné à manger. Elle n'a pas de collier. Elle n'est pas pucelée. Elle est toute seule. Hein? Regardez-moi ça, c'est pas un amour, c'est un amour de chien. Voilà, donc je l'ai surnommé Bella. Donc je vous ai présenté Bella, mais là je viens d'aller faire ma petite lessive. Ouais, vous verrez pas ma tronche ce matin, parce que là avec mes cheveux, on dirait Cruella d'enfer. Donc après le deal, c'est qu'on aille, pas à cet endroit-là, mais je vais vous le montrer après, se baigner pour se laver. Mais là j'ai dit à Chris, j'ai fait la lessive, les pieds dans l'eau. Je dois chausser pardon, du 36, pardon, j'ai du mal à parler. Donc bon, il y a des endroits, ça fait un peu toilette, mais bon, c'est pas grave. Hein. Il y a d'autres personnes qui étaient là hier. Regardez-moi cette beauté. Mais c'est pas là le plus beau. Donc là, petite lessive. Tac. Bon, vous avez vu, il y a un peu de papier. Hein. Il y avait des gens hier. Il y avait des vanneurs avec nous cette nuit qui sont mis au bout, à l'opposé, qui sont partis avant nous. Mais, donc on passe par la petite coin cuisine. Là, vous avez encore la rivière. Donc, vous pouvez encore descendre là. Mais c'est pas là le plus merveilleux. Enfin, il y en a deux. Hein. Vous allez voir. Je vous emmène. Et Bella, toujours fidèle à elle-même. Voilà. Elle me regarde. Comme si j'étais sa maîtresse. J'espère vraiment qu'elle n'est pas abandonnée. Parce que c'est ce qu'on n'arrête pas de se dire. C'est trop horrible. Mais bon. Hop. Elle est tellement docile, tellement mignonne, qu'on se dit que c'est pas possible, elle doit habiter pas loin. Et puis comme elle sait qu'il y a des touristes qui viennent, elle vient chercher à manger. Mais elle a passé la nuit avec nous. Bref. Je vous emmène dans notre petit... Imaginez notre surprise, notre joie quand on a découvert ça hier avec Chris. C'était waouh! Ah, on était trop contents, comme des petits gamins. Alors là, je vous montre, c'est le côté baignade. Donc là-bas, on avait le côté laverie. Là, on a le... côté baignade, on s'en rend pas compte, mais là on commence à plus trop avoir pied. Regardez comme c'est magnifique. Enfin, moi je trouve ça juste splendide. Et puis l'eau elle est bonne là. Quand vous venez comme ça dans un endroit, vous vous arrêtez, vous dites ah, j'ai trop envie de faire pipi, et vous découvrez cet endroit là, bah vous dites bah le camping ça sera pas pour aujourd'hui. Et là un petit peu plus loin là-bas, on n'a vraiment plus pied, on peut aller nager, je vais vous montrer. Non mais c'est magnifique. Quand la nature vous offre des endroits comme ça. Alors nous on est très respectueux. Hein. Tout dans les sacs poubelles. Le sac poubelle on le jettera plus loin quand on trouvera ce qu'il faut pour le mettre dedans. On laisse rien traîner par terre. Pas une capsule de bière, pas un mégot, rien. On est hyper, hyper, hyper vigilant à ça. On n'est pas écolo, hein. On a essayé de prendre le maximum de choses écolo avec nous, mais... on fait super attention à préserver ce genre d'endroit, quoi. Hier, on a ramassé les petites brindilles et tout pour pouvoir faire notre feu. Regardez. Et on voit les poissons. Oh, je vous emmène. Liling. J'espère juste pas me casser la margoulette. Ah, oh, elle est bonne. Et là, j'ai l'eau. Ça se voit pas, mais j'ai l'eau au genou déjà. Regardez. Et là, on va pouvoir se baigner. Je vais pouvoir laver ma tignasse parce que je vous explique pas la chevelure de ouf que j'ai. Regardez-moi comme c'est beau. Franchement, voilà, donc je vous laisse avec ça, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très vite, je vous refais une vidéo, mais non mais regardez-moi ça, le rêve, franchement, on kiffe de ouf, et celui-là, ce spot-là, faut que je le rajoute, on a une application, faut que je le mette dessus, parce qu'il était indiqué nulle part, et on peut être à plusieurs vanneurs, et franchement, il suffit de respecter les lieux, et c'est un endroit magique, quoi.